Le merveilleux speaker ici présent a donné des conférences dans le monde entier durant les 40 dernières années. Et il a toujours débattu sur des sujets très compliqués, voyez-vous, avec différentes personnes et dans plusieurs villes. Et maintenant, sans aller plus loin, je demanderai à notre éminent conférencier de s'adresser à vous. Monsieur le Président, chers frères et sœurs, le sujet annoncé par Monsieur le Président est Jésus et Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur eux et sur tous ses messagers. Une étude comparative de ces deux puissants messagers de Dieu. Vous savez, dans notre langue, nous utilisons ces noms. Jésus, on ne dira jamais Issa à la façon des musulmans. Si nos érudits en la matière, dans nos salles privées des salles musulmanes, s'ils viennent se joindre à nous, durant leur cours, s'ils disent Issa pour Jésus, nous les jetterons dehors. Mais, vous voyez, les nations occidentales appellent Jésus, Jésus, parce qu'ils le considèrent comme un Dieu. Il n'y a pas de monsieur, il n'y a pas de révérend, il n'y a pas d'éminence, il n'y a pas de pape, il n'y a pas de prophète ni messager, ils l'appellent simplement Jésus. Alors je n'y peux rien, parce que je dis Jésus et Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur eux. Où ont-ils pris ce nom? Jésus. Je ne peux continuer de dire Issa, car les gens ne savent pas de quoi ils retournent. Dieu essayant de nous hypnotiser, de nous magnétiser. Vous devez le supporter avec moi, mes chers frères musulmans, vous devez le supporter avec moi, c'est ainsi que les Occidentaux comprennent Jésus. Durant le débat qui s'est déroulé dimanche entre moi-même et un Palestinien américain, chrétien d'Amérique, le docteur Shorosh, une des objections qu'il avait contre le Coran est dans le Coran, le nom de Jésus est Issa. Nous disons que c'est Issa, que la paix soit sur lui. Et il dit que ce n'est pas son nom. Dans sa langue maternelle, dans la langue maternelle de Jésus, son nom était Iso. C'est un nom commun parmi les Juifs, Iso. La racine du nom est Yeshua. Il dit, regardez, dans le Coran, il est appelé Issa. C'est son avis. Il devrait être appelé Iso dans le Coran, et n'est pas Issa. Un arabe aurait dû savoir que l'arabe et l'hébreu sont deux langues sœurs. Elles sont quasi identiques, et les noms d'Iso et Issa sont semblables. Les langues sont identiques. Nous disons Ahad en arabe, nous disons Ehad en hébreu, nous disons Salam en arabe, nous disons Shalom en hébreu. Nous disons Yom el Juma, ils disent Yom el Saba. Le jour de rencontre, Yom Yom, c'est identique. Iso et Issa, c'est pareil. Et maintenant, nous avons une chance de leur poser la question. Où ont-ils trouvé le nom de Jésus? Vous savez, Iso et Issa, cela sonne de manière identique. Iso et Issa, où avez-vous trouvé Jésus? Étonnant. Vous savez, ils ne voient pas. Jésus-Christ a dit,
Il a dit, ne jugez pas. Si vous ne voulez pas être jugé, vous serez jugé comme vous avez jugé. Comme je vous ai jugé, vous me jugerez. Alors vous, hypocrite, pourquoi avez-vous un jugement incomplet? Pourquoi voyez-vous d'un seul œil? Ne cherchez pas la paille dans l'œil d'autrui avant d'enlever la poutre qui est dans le tien. Jésus. D'où vient ce mot de Jésus? C'est la forme latine du mot hébreu, Esaü, la forme latine. Des gens soumis, tous les gens soumis, ils ont souffert d'un complexe d'infériorité. Ils auraient aimé faire sonner leur nom comme ceux des Romains, leur maître. Nous pourrions souffrir aussi d'une telle maladie. Le nom de mon fils est Ibrahim, alors les gens l'appellent Joseph, ou même Joe, n'est-ce pas? Ils l'ont appelé Ibrahim, c'est-à-dire Abraham, mais ils aiment le faire sonner comme le nom d'un Anglais, vos maîtres. Par ailleurs, les Anglais d'autrefois avaient la même maladie. Ils voulaient que leur nom sonne comme ceux des Romains et non comme ceux des Juifs. Esaü a la consonance juive. Ils ne veulent pas que le nom de leur Dieu ait la consonance d'un nom juif. Alors ils l'ont latinisé en ajoutant le J. Alors qu'il n'y en avait pas, ils ont ajouté un J, Jésus. Et leur maladie d'ajouter des J où il n'y en avait pas. Joseph devient Joseph en ajoutant un J. Comme Jacob devient Jacob. Partout où il n'y a pas de J, ils ajoutent J, 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 pour lui donner la consonance de leur dominateur, les Grecs et les Romains. Complexe d'infériorité. Alors, Jésus n'est pas son nom. Sa mère, quand il naquit, ne l'appela jamais Jésus. Elle a dû l'appeler Esaü ou Yeshua, et pas Jésus. Mais cela est à part. Selon l'enseignement de l'islam, il nous a fait admettre que Jésus-Christ, Christ est un autre nom traduit de Messia, Messia en Christ, pour avoir la consonance grecque, romaine. Saul, un des disciples tardifs de Jésus, il l'appelle Paul. Saul a la consonance juive et ils l'ont transformé en Paul. Pierre, ce n'était pas le nom de Pierre. Personne ne l'a jamais appelé Pierre de sa vie. Vous savez, Saint-Pierre de Rome. Pierre et Paul. Paul, il n'était pas Paul. Il était Saul. Et Pierre était Simon. Son titre était Kephas. Jésus a dit, tu es Kephas. Kephas signifie, tu es une cruche. Tu es un disciple combatif. Un disciple décidé, tu es Kephas. Kephas, en hébreu, signifie cruche ou pierre. Alors ils l'ont traduit en grec. Petros. Et de Petros, ils ont tiré le mot pierre. Cela sonne grec ou romain, pierre. Mais quand vous dites Simon, Kephas, cela sonne juif. Ils ne voulaient pas que leur héros ait une consonance juive. Alors ils ont changé les noms. Nous, dans l'islam, nous avons coutume de croire que les mots sortant des lèvres sacrées de Mohammed, que la paix soit sur lui, que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, était un des plus puissants messagers de Dieu. Nous croyons en sa miraculeuse naissance, sans aucune conception humaine. Il naquit. Nous croyons en ses nombreux miracles, y compris celui de redonner la vie aux morts, avec la permission de Dieu, et de rendre la vue à l'aveugle, de guérir les lépreux avec la permission de Dieu. Mais nous sommes en conflit quant à ce qui concerne sa date de naissance. On m'a demandé si nous commémorions Noël. Je dis, regardez, nous apprécions les vacances de Noël, certainement. Nous les apprécions. Mais nous ne commémorons pas Noël. Si seulement nous connaissions la date de sa naissance, nous célébrerions son anniversaire. Nous aurions l'anniversaire de Jésus. Mais quand est-il né? Ils disent que c'est le 25 décembre, le jour de Noël, le 25 décembre. Mais il n'est pas né le 25 décembre. Aujourd'hui, les chrétiens, les érudits, commencent à réaliser qu'il n'est pas né le 25 décembre. Ce jour, le 25 décembre, est l'anniversaire païen du Dieu Soleil. Pas le Soleil de Dieu, ni le Fils de Dieu, mais le Dieu Soleil.
Vous savez ce que cela signifie? Vous voyez, pour vous, les gens ici, c'est l'hémisphère nord. Moi, je viens du sud, ici, c'est l'hémisphère nord. Et lorsque l'hiver approche, en décembre, il fait de plus en plus froid pour vous, gens d'ici. Et les 20, 21, 22, 23 décembre, l'homme primitif sent ça, un jour après l'autre. Le soleil s'éloigne. Il va de l'est à l'ouest, et de plus en plus loin, et il fait de plus en plus froid. Ils ont personnalisé ça. Le diable mange le soleil. Alors il commence à battre les tambours et prie pour que le soleil ne soit pas mangé, car s'il est avalé, ce sera fini pour toujours. Le 24 décembre, c'est l'équinoxe. Alors arrive le 25 décembre, et ces hommes primitifs de l'hémisphère nord sentent les variations de la température un jour après l'autre. Le 25 décembre, il voit le soleil revenir à lui. En d'autres termes, il apparaît pour jouer. Il n'a pas été mangé. Le diable ne l'a pas avalé. Il revient. Alors, c'est le jour anniversaire du dieu soleil. Le soleil revient à lui-même. Ainsi, il célèbre Noël. Non pas la naissance du Christ, mais la renaissance du dieu soleil. Baal, Ahura, Abla, tous étaient des dieux soleil, adorés dans la région méditerranéenne, et leur anniversaire était le 25 décembre. Ainsi, lorsque les hommes ont été christianisés, ils ont accepté d'assimiler l'anniversaire du dieu soleil à celui du Fils de Dieu. Donc, ce n'est pas l'anniversaire de Jésus. Le Coran nous dit très clairement que lorsque Jésus est né, il a été dit à sa mère Marie de secouer le palmier dattier, et qu'il laisserait tomber des dattes fraîches. Puisque les dattes étaient mûres, il suffit de le secouer pour que les dattes tombent. Vous pouvez manger et vous rafraîchir dans la rivière, le petit ruisseau, tout près d'elle. Rafraîchissez-vous après la naissance de l'enfant. C'est ce qui lui a été dit. Donc, c'était le plein été. Si le Coran dit que les dattes étaient mûres, cela signifie que c'était le milieu de l'été et non le milieu de l'hiver. La Palestine se situe dans l'hémisphère nord. Votre hiver et le leur sont les mêmes. Donc il n'y a pas d'hiver en plein été. C'était au milieu de l'été. La Bible dit que lorsque Jésus est né, les bergers étaient dehors, dans les champs. Le berger est complètement fou s'il reste avec ses moutons en plein air. En Palestine, au milieu de l'hiver, il mourrait de froid, lui et ses moutons. Alors, si vous raisonnez, le Coran et la Bible confirment tous les deux qu'il n'est pas né le 25 décembre au beau milieu de l'hiver. Mais à cause de ce fait, les hommes cultivés occidentaux supposent que Jésus était un mythe, un conte de fées. Les deux sont synonymes. Jésus n'était pas un mythe, c'était un personnage historique. Selon l'enseignement de l'islam, nous n'avons aucun doute à ce sujet. Il y a 2000 ans, une jeune femme, appelée Myriam, Marie, donna naissance à un petit garçon nommé Issa, ou Iso, ou Yeshua, traduit Jésus, né miraculeusement. Mais l'idée de mythe provient de cette association au culte païen, les cultes des adorateurs du soleil. Maintenant, quand nous considérons Mohammed, maintenant Mohammed est né quelques 600 ans après Jésus, à la Mecque. Son père était mort avant sa naissance. C'était un enfant posthume, c'est-à-dire un enfant né après la mort de son père. Et Mohammed, que la paix soit sur lui, se trouve être la plus historique des personnalités religieuses. Selon l'Encyclopédie Britannica, en tout état de cause, il n'y a aucun doute à son sujet. Il n'est pas un conte de fées, le personnage le plus historique, la vérité la plus enracinée. L'histoire commence avec lui, la chaîne de la nation arabe commence avec lui. La totalité du monde arabe est révélée au monde pour la première fois dans l'histoire depuis la création du monde.
depuis la création du monde. Les Arabes étaient des peuples ignorés. Personne ne s'intéressait à ces rebuts humains. Personne. Alexandre le Grand est passé à côté d'eux. Les Perses sont passés à côté d'eux. Les Égyptiens sont passés à côté. Personne ne s'était intéressé à ce déchet humain. Personne. Et c'est après Mohammed, tout à coup, qu'ils ont été découverts et sont devenus les maîtres du monde par les bénédictions de l'islam. Avant cela, ignoré. Mohammed, la plus historique personnalité religieuse. La mission de ces deux messagers de Dieu, respectifs, Jésus-Christ, selon les Écritures, a commencé à parler à l'âge de 30 ans, jusqu'à 33 ans, pendant 3 ans. Ils disent que les Juifs l'ont mis sur la croix. Ils s'en sont débarrassés, l'accusant d'être un faux prophète, un imposteur, un menteur, un escroc. Ils l'ont mis sur la croix. 3 ans. Le prophète de l'islam commence à parler, par la volonté d'Allah, à l'âge de 40 ans, et pour les 23 années suivantes de sa vie, il a reformé son peuple. 23 ans. Sa mission a duré 23 ans. Pour Jésus, c'était 3 ans. Et le livre de référence qu'il a laissé et de ses lèvres sacrées, Mohammed, que la paix soit sur lui, il a laissé ce livre. Mohammed a laissé ce livre de référence, le Coran sacré. Un registre complet contenant tout ce que les musulmans doivent savoir. Leurs droits et leurs obligations sont dans ce livre. Vous n'avez pas à tâtonner pour y trouver la connaissance, les directions. Tout nous est indiqué. Quant à Jésus, Jésus lui-même n'a pas écrit un seul mot pendant sa vie, pas un seul mot de sa vie. Il n'a même pas dicté un mot à qui que ce soit. Pas un mot écrit, pas un. Tout ce que nous avons aujourd'hui, ce sont des écrits bien postérieurs à lui, rédigés par des hommes appelés Matthieu, Marc, Luc, et Jean, Pierre, Jacques et Paul, etc. Et ces écrits concernant Jésus, ce ne sont pas ses écrits. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Ce livre, la Bible sacrée, dans cette Bible sacrée, il y a le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament est supposé être, selon les missionnaires chrétiens, l'Injil. Vous savez, nous, les musulmans, nous disons que nous croyons à l'Injil, tout comme nous croyons à la Torah, au Zabour. Nous croyons que les Saintes Écritures sont toutes originellement révélées par Dieu le Tout-Puissant. Parmi elles, nous citons l'Injil. Donc, ils disent que le Nouveau Testament est l'Injil. Mais voyons ce que les chrétiens eux-mêmes disent. Voici la Bible, une très jolie Bible, une Bible très chère, celle-ci en particulier. Mais a été donné par le docteur Chorosh. Si vous visionnez la bande vidéo du débat avec lui au Royal Albert Hall, vous le verrez. Il commence par une introduction en arabe, une merveilleuse introduction. L'arabe, c'est sa langue maternelle. Et vous savez, nous, les Arabes, quand nous allons voir quelqu'un, nous n'y allons jamais les mains vides. Nous devons apporter quelque chose. Ceci était dans un paquet vert. Il me l'a donné. Je ne savais pas ce que c'était, mais je l'ai pris et j'ai trouvé que c'était très très utile, très précieux, inestimable. Vous savez, cette Bible est unique de plusieurs points de vue. Cette Bible particulière est appelée la Bible à la lettre rouge. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Combien d'entre vous ont entendu parler de la Bible à la lettre rouge? Combien? Non, deux, à peine, personne. Une Bible à la lettre rouge. Vous savez ce que c'est, une Bible à la lettre rouge? Je vais vous expliquer. Dans la Bible à la lettre rouge, vous voyez, tout ce que Jésus a dit est noté en rouge. Cela facilite donc les choses pour vous, pour savoir quelles sont les paroles de Jésus. Car en ce qui concerne le Nouveau Testament, il y a 27 livres. 27 livres, tous ensemble, qui font le Nouveau Testament. Ce que l'on appelle l'Injil, ce que les chrétiens appellent l'Injil. Mais dans ces 27 livres, comment allez-vous trouver, réaliser ce que Jésus a dit et ce qu'il n'a pas dit? Qu'a dit Jésus? Avez-vous le temps pour cela? Qui a le temps pour cela dans notre monde moderne? Alors, les chrétiens ont facilité les choses pour nous. Ils ont mis tout ce que Jésus a dit en rouge, alors que le reste est en noir. C'est un travail bicolore, rouge et noir, noir et rouge. Cela nous facilite le travail et nous donne les limites
parmi tout ce qui se trouve dans le Nouveau Testament de ce qui est la parole de Dieu. Cela représente seulement 10%. 90% n'a rien à voir avec Jésus. 90%. Dans ces 27 livres, dans cette Bible particulière, cette Bible en particulier est la version du roi Jack. Dans la préface, il est dit que ceci est la cinquième révision majeure. Ils disent majeur. Vous connaissez mineur ? Majeur, grand. Vous savez, vos enfants ne peuvent pas témoigner au tribunal parce qu'ils sont mineurs. Donc, majeur signifie adulte. Majeur, grand. Ainsi, celle-ci est la cinquième révision majeure de la version du roi Jacques. Le roi Jacques, un de vos rois ici en 1611, qui a fait produire cette Bible, elle porte son nom jusqu'à nos jours. Et celle-ci en particulier, cinq fois, ils l'ont changée, des changements importants, pas de petits changements insignifiants, majeurs. C'est ce qu'ils disent, et les Anglais savent très bien de quoi ils parlent quand ils utilisent le mot majeur. Ils entendent majeur. Après cinq révisions majeures, ils l'appellent la version du roi Jacques jusqu'à nos jours. Étonnant. Regardez, je suis en train de vous dire que si votre arrière-arrière-arrière-grand-père a écrit ses dernières volontés, son testament, votre arrière-arrière-grand-père, your great-great-grandfather made another major change, and you still call it your great-great-great-grandfather's will? Vous savez, le pauvre roi Jacques, s'il apprenait ce qui s'est passé, il se retournerait dans sa tombe. Oui. Et ceci est censé être la parole de Dieu, avec cinq changements majeurs. Maintenant, je vais vous dire comment ils ont fait. C'est comme ça. Des passages sont tirés et abandonnés sans aucune explication. Si quelque chose leur plaît, ils le gardent. S'ils n'aiment pas, ils rejettent. Et c'est toujours la version du pauvre roi Jacques. And this is still poor King James version. So, alors, this is what Jesus left. What c'est ce que Jésus a laissé. A-t-il laissé, parmi les 27 livres, 21 sur 27 de cette Bible-là, 21 sur 27, vous ferez vos calculs à la maison pour faire le pourcentage, 21 sur 27 n'ont même pas un point rouge, ni même un tiret, ni une rature, rien. Ce qui signifie que Jésus n'a pas été cité dans 21 livres sur 27, pas un seul mot, pas même un point rouge par erreur, ni tiret, ni encre rouge sur les 21 livres. Et dans la Bible vivante qu'utilisent les missionnaires, la Bible vivante, encore une Bible à la lettre rouge. Vous pouvez acheter la Bible vivante, on l'appelle la Bible vivante, pleine de vie. Dans celle-ci, 23 livres sur 27 n'ont pas un point rouge, ni tiret, ni gribouillage. Cela signifie que Jésus n'a même pas murmuré un mot. Tout est écrit en noir, noir, noir. Ceci est censé être ce que Jésus a laissé. Ce sont les choses écrites à propos de lui. Il n'a pas écrit un seul mot, même pas un mot, durant toute sa vie. La mission de ces deux prophètes respectueux, Jésus et Mohammed, leur mission. Jésus-Christ a dit qu'il est venu uniquement pour les Juifs. C'est ce qu'il dit dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 15, verset 24. Vous lisez qu'une femme grecque vient à lui avec un problème. Sa fille est sérieusement malade. Et elle est venue, sachant que ce puissant messager de Dieu possède quelques pouvoirs mystérieux, quelques pouvoirs miraculeux. Donc elle vient voir Jésus pour qu'il guérisse sa fille. Alors Jésus détourne la tête. Elle persiste. Alors les disciples disent, regardez cette femme qui persiste, une femme qui se noie, s'accroche à une paille, un homme qui se noie fait pareil, une femme noyée, sa fille, la vie de sa fille est en danger, vous savez, maître, aidez mon enfant, je vous en supplie. Alors il lui dit, et à travers elle il dit au monde entier, il lui dit, je ne suis envoyé que pour le troupeau de Dieu, la maison d'Israël. Les moutons perdus des Juifs.
Je ne suis envoyé que pour eux. Et les disciples persistent. Ne jetez pas le pain des enfants aux chiens. Qui sont les chiens? Ne jetez pas la nourriture aux porcs. Aucun juif ne jettera la nourriture aux porcs. Il parle des êtres humains. Pour lui, son peuple, les juifs, le reste du monde n'est pas les juifs. Le peuple élu, les enfants d'Abraham, le reste du monde est des impurs, malpropres, non circoncis. Alors il dit, ne jetez pas le pain des enfants aux chiens. Qui sont les chiens? Tous ceux qui sont non-juifs. Vous, moi, les Anglais, la totalité du monde, nous sommes tous des chiens selon les Écritures. Tous, chacun est soit chien, soit porc. Maintenant, cette pauvre femme, la vie de son enfant est en danger. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Maître, même les chiens ont des miettes. Vous savez, de la table du maître, des miettes. Alors Jésus dit, donnez-lui les miettes. Des miettes sont le remède. Donnez-les-lui. Et l'enfant fut guéri. Dieu merci. Mais c'était des miettes. Les bénédictions, l'enseignement, ne sont pas pour les impurs, pas pour les non-juifs. Ce sont tous des chiens, des porcs. Il dit à ses disciples, ne suivez pas la route des impurs. Dans n'importe quelle cité des Samaritains, n'entrez pas, mais allez plutôt dans le sein de la maison d'Israël. Durant toute sa vie, il n'a jamais parlé à un non-juif. Parmi les 12 disciples juifs, il n'y en avait pas un qui soit non-juif. Ils étaient tous des juifs, 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 100% juifs. Il n'a jamais prêché aux Grecs, il n'a jamais prêché aux Romains. Il n'a jamais prêché aux Palestiniens. Il a prêché seulement aux Juifs. Ils sont ses enfants selon les Écritures. Bien sûr, si les gens veulent aller ramasser les miettes, parce qu'ils ont faim, parce qu'ils meurent, c'est leur affaire. Il dit, regardez, ce sont tous des chiens et des porcs, ils ne méritent pas ces bénédictions. L'enseignement spirituel qu'il a apporté à ses enfants, les enfants d'Israël. Mohammed, paix sur lui, selon le Coran sacré, nous ne t'avons pas envoyé, mais comme une miséricorde pour le monde, Alamin, ce qui veut dire le monde entier, l'univers. Je t'ai envoyé comme une miséricorde à l'univers. Je suis en train de vous citer le Coran. Maintenant, où pouvez-vous trouver? Vous voyez, c'est une bonne pratique, c'est une bonne habitude. Quand n'importe qui, à tout moment, vous donne une référence du Coran sacré, il dit par exemple, c'est la sourate de, c'est la sourate de, c'est la sourate. Que faites-vous quand quelqu'un vous donne une référence? Vous allez et vous vérifiez chez vous. Non pas parce que vous n'avez pas confiance dans la personne ou qu'on est en train de vous jouer un tour, non. Vous vous le devez à vous-même, car si vous allez et vérifiez, que se passe-t-il quand vous le lisez par vous-même? Ce que vous avez entendu va vous rafraîchir la mémoire, et une fois lu, laissez l'idée pénétrer votre tête. Cela deviendra votre propriété, cette connaissance. Pour le moment, c'est une distraction pour vous. C'est bien, c'est une très bonne lecture, c'est fantastique, et cela se termine là. Mais dès que vous commencez à vérifier, qu'est-ce que cela dit? Où cela se trouve-t-il? Où puis-je le trouver dans le Coran? Très difficile. Vous ne le faites pas parce que c'est très difficile. Ainsi, les non-arabes, spécialement vous, je ne sais pas comment l'arabe le fait, mais chez vous, comment pouvez-vous trouver? Le premier jeune homme qui peut me dire comment vous pouvez trouver, le premier jeune homme qui peut me dire comment vous trouvez, il prend le Coran gratuitement à la fin de la conférence comme un cadeau. Allez, jeune homme, comment est-ce que tu trouves? Dans le Coran. Dans l'index? Oui, vous regardez l'index. Celui-ci particulièrement. Tu vas t'y référer à la fin de la conférence. Là, vous voyez, à la fin du volume. Ceci est... Il le garde soigneusement au foyer. Dans les dernières pages de ceci, à la fin, il y a un index. Un index très facile à consulter. Que voulez-vous savoir? Vous pouvez trouver tout ce que vous cherchez. Mais Allah vous dit, ouvrez l'index. Dans l'index, ainsi à la lettre A.
comme dans n'importe quel dictionnaire, cherchez et cela vous dira. Chapitre 21, tout est facile à trouver parce que chaque page est numérotée. Et je vais vous dire maintenant que c'est page 107. Page 107, facile à trouver. Une fois que vous êtes à 21, c'est facile à trouver. Tout est au bout de votre doigt. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Mariage à la lettre M, divorce à la lettre D. Vous cherchez à en savoir plus sur Jésus? Qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez à J dans l'index. J, et il vous en parlera de Jésus. Et à Jésus, vous avez de nombreuses en tête. Vous savez que Jésus est très largement mentionné dans ce glossaire. Pas moins de 25 fois. Mais comment allez-vous faire pour le trouver? Index. Sa naissance est décrite en deux endroits. Où allez-vous les trouver? Index. Chapitre 3, verset 42, et plus loin, sa naissance. Chapitre 19, verset 27. Index. Trouvez-le. Référez-vous-y. Lisez-le. Et ce livre, cette encyclopédie de 2000 pages, vous est disponible pour vous tous, pour 5 livres, pour une encyclopédie de 2000 pages. Je ne suis pas ici pour faire des affaires, mais je veux vous aider. 5 livres pour une encyclopédie de 2000 pages. Vous ne trouverez nulle part au monde un livre de 2000 pages qui coûte 5 livres. C'est pour vous. C'est pour vous donner la valeur de ce livre. À Birmingham, je l'ai acquis dans la librairie Hudson's. Voici la Sainte Bible. Je l'ai acheté à 9,95 livres, 5 pence de moins, et alors 10. J'en ai acheté 2 pour le prix d'un, 9,95 livres, plus la TVA. Vous vous le devez bien avant de partir. Prenez-le, c'est bon pour vous. Pour votre employeur, disons votre patron, il n'y a pas de meilleur cadeau de Noël que cela. Ou bien pour votre employé ou quelqu'un qui travaille pour vous, il n'y a pas de meilleur cadeau que cela. Ou offrez-le lui comme un cadeau d'anniversaire, donnez-lui ça, il n'y a pas de meilleur cadeau. Pour votre gendre, votre beau-frère, votre patron, votre employé, n'importe qui, et tout le monde. Ce livre doit être partagé par tout le reste de l'humanité. Cela ne coûte que 5 livres chacun. Alors je dis, chapitre 21, verset 107, on nous dit cela, la mission de Mohammed s'adresse à l'univers. Jésus a dit, je n'ai été envoyé que pour les Juifs. Il y a une différence dans la mission. Les enseignements, leurs enseignements, les enseignements convenaient aux besoins des Juifs, ceux de Jésus. Voyez, il est venu pour les Juifs. Il le dit, il s'adressait plus particulièrement à leurs propres maladies. Les Juifs avaient développé certaines maladies. Ils étaient devenus très durs. Ils avaient oublié le pardon. Ils avaient une loi qui disait œil pour œil, dent pour dent. Bien belle loi que cette loi pour un peuple de nomades qui se déplace d'oasis en oasis sous la conduite de Moïse. Ils avaient besoin d'une loi qui leur fournit une justice expéditrice. Le temps était trop précieux pour les litiges qui traînent en longueur. On n'avait pas le temps de mettre un homme en prison. Alors qu'est-ce que vous faites? Justice rapide. Œil pour œil, dent pour dent. Tu me blesses à l'œil, on va devant le juge qui conclura que tu dois donner un œil. Il m'a cassé une dent, ils diront, casse-lui les siennes. Viens mon gars, il y a un travail à faire, allez vas-y, bouge-toi. Belle loi. Mais les lois ont une tendance à changer les gens au bout d'un moment. Voyez les racistes qui ont fait Hitler. Hitler en Allemagne. L'Allemagne, une des nations les plus cultivées d'Europe. Le pays de Goethe et de Beethoven, cette nation qui pourrait brûler 6 millions de juifs, c'est impossible. Comment peut-elle être aussi barbare? 6 millions de juifs, ils auraient brûlé, là, à cause d'Hitler, quelques 40 millions de gens sont morts. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, 40 millions de gens sont morts. Quel démon! Comment a-t-il fait? Une telle nation? Non. On peut vous conditionner, on peut vous faire un lavage de cerveau. Dans cette communauté, on parlait des juifs, juifs, juifs. Des juifs, des parasites, des parasites, des parasites. Alors une espèce de démon se présente et dit de les tuer tous, ou de les mettre dans des fours crématoires. Et les 90 millions d'Allemands ont considéré ce qu'il a dit. Ils ont pris ce qu'il a dit en considération. Ça peut arriver, lavage de cerveau. Je viens d'un pays où la conscience de la couleur existe, l'Afrique du Sud. J'ai invité chez moi à dîner des centaines de Blancs. Hommes d'affaires, missionnaires, et nous avons parlé. Je partage avec eux ma nourriture et mes idées. Et ils sont séduits à la fois par mon discours et ma nourriture. Savez-vous que notre nourriture est captivante?
la nourriture pakistanaise. Vous pouvez rendre les gens esclaves de vous par le palais. Nourrissez-les. Et vous les mettez à votre merci grâce au nom de la nourriture pakistanaise. Alors ils se réjouissent de mes plats et de mon discours. Et alors ils participent. Puis ensuite ils me rencontrent dans la rue. Ils veulent des nouvelles de madame, dites-lui bien des choses. Mais aucun blanc ne m'a invité chez lui pour prendre le thé jusqu'à maintenant. Et je leur demande en plaisantant, je leur dis, et vous n'avez jamais entendu parler de la réciprocité? Chez vous, on ne vous a jamais appris ce que c'est que la réciprocité? Alors je dis, comment cela se fait-il que personne ne m'appelle pour une tasse de thé? Je vais vous dire pourquoi. Non, ce sont braves gens. Ce sont des gens bien, comme n'importe où ailleurs. Mais au fond d'eux-mêmes, ils ont la conscience de la couleur. Tout est basé sur la couleur. Nous sommes divisés par couleur, les Indiens, les Africaneurs, les gens de couleur, les Blancs, la couleur. L'apartheid divise les gens. Alors maintenant, je leur donne un traitement céleste. Au fond d'eux-mêmes, ils pensent que si j'appelle ce camarade, s'il vient avec femme et enfant, vous savez, avec ce long vêtement et ce cherchant la maison, les gens disent, où va ce coulis? Alors, vous frappez à la maison et la maîtresse de maison répond en disant « Oh, entrez, monsieur Didat !» Les gens regardent, ils pensent « Qu'est-ce qui se passe ici ?» 5 minutes se passent, puis une demi-heure. Ils pensent « Madame Smith, traite-t-elle quelque chose d'illégal ? Est-ce qu'elle ne vendrait pas des boissons illégales ?» Oh, cette peur au fond d'eux-mêmes, toujours là dans le subconscient, c'est là. C'est pour cela que les types vous disent « Bien des choses à madame. Merci beaucoup, monsieur. » C'est ça que provoquent les lois. Les lois ont une tendance à modifier les personnalités, partout et chez tout le monde. On peut subir des lavages du cerveau, comme les juifs, œil pour œil et dent pour dent, œil pour œil et dent pour dent. Ils ont oublié le pardon. Alors Jésus-Christ, un autre médecin de l'esprit, parmi les juifs, il est médecin de l'esprit, il sait voir de quelle maladie souffre son peuple. Alors il lui donne, il dit, cela a été dit pour les prophètes de jadis. Œil pour œil et dent pour dent. Mais je vous dis, ne tentez pas le diable. À celui qui vous frappe à la joue gauche, tendez-lui l'autre joue. Ceci est une antidote à la maladie. Vous voyez, si un homme vous fait marcher, acceptez cette chose rapidement pendant que vous êtes sur le chemin avec lui, avant qu'il ne vous prenne devant le magistrat et vous fasse perdre votre dernier sou. Il dit, si un homme vous prend votre manteau, donnez-lui aussi votre vêtement. Si un homme te fait marcher pendant 1 kilomètre, marche avec lui pendant 2 kilomètres. Ainsi, je vous dis à vous, les bons chrétiens britanniques, vous auriez dû faire bon accueil à Hitler. Voyez ce type, il voulait cette petite île, c'est tout. Vous auriez dû dire bienvenue. Vous voyez bien que c'est ce que Jésus a dit. Cet homme veut vous prendre votre manteau, donnez-lui aussi votre vêtement. Et pour vous, l'Australie est pour vous, l'Afrique du Sud est pour vous. Qu'est-ce que vous voulez en plus de cette petite Bretagne? C'est ce que vous auriez dû faire. Mais non, au lieu de ça, vous êtes retourné vous battre. Ça, c'est l'islam. Churchill a dit, nous les combattrons sur les plages, nous les combattrons au bord de la mer, nous les combattrons avec des manches à balai. J'ai dit, je vous admire pour cela. C'est ce que l'islam vous enseigne. Jésus a dit, l'autre joue, si un homme vous prend votre vêtement, donne-lui votre manteau, ainsi que votre pantalon. C'est ce que vous êtes supposé faire, mais vous n'avez pas suivi Jésus. Vous avez suivi l'islam. L'islam dit que vous devez vous défendre, vous devez résister à tout oppresseur. Ainsi, on ne doit adapter cela qu'aux juifs. Il nous donne un exemple parfait de toutes les situations possibles. Le Coran nous dit, ainsi, très certainement, vous avez le meilleur exemple chez tous les apôtres d'Allah, dans tous les aspects de la vie. Où trouvez-vous cela? Dans... Où trouvez-vous? Dans l'index. À la lettre A. On vous renvoie au chapitre 33 et le détail au numéro 21. Facile à trouver. Vérifiez-le. Vous le devez, vérifiez-le. Le Tout-Puissant, grand Dieu. On n'essaye pas d'en diminuer un autre. Mais Jésus-Christ nous en a donné un modèle.
Il nous en a donné un modèle. Par exemple, dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 11. Matthieu, chapitre 11, verset 11. Il parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, nous l'appelons... Les Juifs s'attendaient à ce qu'avant la venue du Messie, traduit Christ, Élias doit arriver le premier. Un prophète nommé Élias est supposé être monté charnellement au ciel avant le Christ. Et ils croyaient qu'ils allaient arriver avant la venue du Messie, le Christ. Alors quand Jésus a prétendu être le Christ, le Messie, ils lui ont demandé où était le Messie. C'est alors que Jésus a désigné le Baptiste, et donc Jean-Baptiste serait Élias, ou l'âme de Élias. Et au sujet de Jean, Jean le disciple, il atteste comme une personne supposée avoir écrit l'évangile selon saint Jean. Jean était un nom ordinaire, comme Tom, Dick, Harry. On ne parle pas de ça. Je tiens à parler de Johanna, Jean-Baptiste. Bon. Jésus parle de lui et il dit, parmi tout ce qui est né d'une femme, tout le monde naît d'une femme, une femme enfante des bébés d'hommes, parmi tous les hommes nés d'une femme, il n'y a pas de plus grand que Jean le Baptiste, le plus grand prophète en Israël, chez les Juifs, était, c'est ce qu'il a dit. Il est plus grand que Jean. Il dit, pour accomplir les tâches que mon Père m'a données, il m'a donné la plus grande responsabilité. Les responsabilités de Jean étaient de préparer le chemin de Jésus. Mais maintenant, Jésus acquiert d'autant plus grandes responsabilités, plus les responsabilités sont importantes, plus l'honneur est élevé, plus le statut est grand. Alors il dit qu'il est plus élevé que Jean par le travail qu'il a à accomplir pour son Père. Celui que Dieu Tout-Puissant lui a demandé. Ainsi, c'est votre travail qui fait votre statut. Quelles sont vos attributions? Superintendant? Oh, vous avez votre situation. Directeur? Vous avez votre position. Gérant? Vous avez votre position. Tout le monde a sa position en fonction de ses responsabilités. Ainsi, plus hautes sont les responsabilités, plus hauts sont les honneurs. C'est naturel. Le rôle de Jésus était de transformer les Juifs. C'est tout. Changer les Juifs, les sortir de leur formalisme, de leur rite hippocratique. C'était son boulot. Remettre les Juifs sur le droit chemin. C'est son travail. C'est ça qui le place bien au-dessus de Jean. Maintenant, les responsabilités qu'Allah a données à notre saint prophète Mohammed sont de guider l'ensemble du genre humain dans tous les aspects de la vie. Et Jésus-Christ a annoncé la venue de ce puissant messager de Dieu. Il l'a dit à son peuple dans l'évangile selon saint Jean, chapitre 16, versets 12 et 14. Il a parlé ainsi. J'ai encore beaucoup à vous dire. Mais vous ne pouvez pas encore le comprendre. Vous n'avez pas encore cette capacité. Je vais vous apprendre beaucoup de choses, comme à ce petit enfant ici. Supposons que je les ai rencontrés seuls. Je leur raconterai des histoires en fonction de... J'ai beaucoup de choses à leur dire, mais je ne peux pas. Il me faut véritablement des gens aptes à comprendre ce que je leur dirai avant même que j'ai ouvert la bouche. Mais Jésus-Christ dit à ses disciples, vous ne pouvez pas les saisir maintenant. Ce qui signifie que vous n'avez pas. Et la vérité de cet état de choses, c'est qu'à travers la Bible, partout dans la Bible, encore et toujours, Jésus-Christ dit à ses disciples, vous, hommes de peu de foi, combien de fois, combien de temps, encore et encore. Il leur explique comme s'ils étaient de petits enfants. Et ils ne peuvent pas comprendre. Alors il dit, j'y arriverai, même si vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas ce que je vous dis? J'essaie de vous expliquer comme à de petits enfants. Et les disciples l'irritaient toujours plus. Ils parlent, car l'absence de foi et cette génération perverse et sans foi, il dit, combien de temps je vais encore rester avec vous? Imaginons que si Jésus avait été japonais plutôt que juif, il se serait sûrement fait cet honorable harakiri, c'est-à-dire, il se serait suicidé. Mais il était juif. La vie est près de lui. Il ne peut pas. Autrement, les Japonais auraient dit, hors de ce monde, le suicide. Que peut-il faire? Il dit, j'ai beaucoup de choses à vous apprendre, mais vous ne pouvez pas comprendre. Comment être quand celui qui dit la vérité est là?
Il vous guidera tous à travers cela, car il ne parlera pas de lui-même, mais d'après ce qu'il entendra, c'est ce qu'il entendra, c'est ce qu'il dira, et il vous annoncera des choses qui arriveront. Il glorifiera. Les missionnaires, demandez-leur, qui est l'Esprit du vrai? Ils diront le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Je me demande bien ce que le Saint-Esprit vous aura dit en 2000 ans. Problème, problème, problème. Vous avez des problèmes. Vous, les chrétiens, vous avez des problèmes plus que tout le monde. Trouvez une solution à vos problèmes. Je parlais avec cette dame ici à la BBC. Vous pouvez écouter l'émission dimanche matin, à l'heure du petit déjeuner. Je lui disais, elle était flattée, cette dame était flattée. Son nom est Julie Moss. Tout en bavardant, je lui demandais, êtes-vous mariée? Elle répondit non. Alors je rétorquais, vous avez un problème. Vous savez qu'il y a 4 millions de vos sœurs et de vos tantes. Si chaque Britannique se marie, il restera toujours 4 millions de femmes qui ne trouveront pas de mari. Mais le même homme peut garder une douzaine de maîtresses, il peut faire une douzaine d'enfants illégitimes chaque année. Et votre nation? Regardez l'Australien, ce grand type. Le type est grand. Une douzaine d'enfants bâtards chaque année, un grand type. Et je dois payer plus d'impôts pour son plaisir, au diable. Je dis, pourquoi ne serait-il pas en mesure de payer pour ses... Pourquoi moi? Pourquoi l'innocent doit-il payer plus d'impôts pour ses plaisirs? Pour les délinquants qu'il a eus? Qui va les chercher? Quelque part, non loin de Liverpool. J'étais là pour ma visite préparatoire. J'étais en train de lire dans le journal que des filles sont devenues... Elles ne veulent que des enfants. Qu'est-il arrivé? C'est nouveau à Liverpool. La municipalité dit que si vous avez un enfant, ils feront un effort pour votre confort. Vous pouvez être au chômage, mais si vous avez un enfant, la municipalité fera tout pour vous aider. Voilà, si vous avez un petit marmot, au moins vous pouvez le dire. J'ai besoin de confort. Ils disent à tous les gens qui viennent, donnez-nous ça. Alors je dis, vous avez des problèmes. Je dis alors qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez les Britanniques. Je dis cela à cette dame. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre population. Je lui dis, vous savez, vous autorisez les sodomites et les homosexuels à Londres. À Hyde Park, l'autre jour, il y avait 8000 sodomites, vous les appelez les gays, qui manifestaient. Je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, les gars. 8000. Je dis, vous autorisez la sodomie à Hyde Park, à Londres? Vous leur donnez des licences? Entre les adultes, des licences pour les lesbiennes? Mais la chose la plus naturelle, un homme qui appelle sa nature, une femme se fiche de partager un mari, il y a une femme et un homme qui s'apprêtent à prendre leur responsabilité, ils disent non, il faut divorcer ou aller en prison. Je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec votre façon de penser. Elle dit, s'il vous plaît, je voudrais que vous commenciez. Vous voyez, elle n'avait pas enregistré ça. Alors, allez écouter ça dimanche matin et puis vous verrez. Elle m'a fait répéter ça pendant 3 minutes, ok? J'ai dit, je ne peux pas répéter ça en 3 minutes. Elle était émue par Dieu. Ainsi, il y a 4 millions de ses sœurs qui ne peuvent pas rencontrer de mari. L'islam apporte des réponses à cela et des solutions à leurs problèmes. Que vous a dit le Saint-Esprit? Je vous le demande. Il y a 1000 différentes églises dénombrées par les chrétiens, 1000 églises différentes vers leur dénomination. Je voudrais savoir ce que fait le Saint-Esprit depuis 2000 ans, ce qu'il a dit pour résoudre le problème. Vous avez des ivrognes, l'alcoolisme. Que vous a dit le Saint-Esprit à ce sujet? Au sujet du divorce. Le deuxième plus haut taux de divorce au monde a été calculé chez les Blancs d'Afrique du Sud, parmi les chrétiens. Je vous demande, qu'est-ce que le Saint-Esprit vous a dit à ce sujet? Problème de race, racisme. La race tient l'ordre le plus haut. Je voudrais bien savoir ce que le Saint-Esprit vous a dit à ce sujet. Rien, rien, rien. Mohamed, il vous apporte des réponses, des solutions à vos problèmes. Ça pourrait ne pas être. Vous avez l'habitude d'un certain style de vie, mais si vous riez, je dis que le rire est en vous. Vous mijotez dans votre jus. Il va vous aider à trouver la vérité. Tout signifie plus d'un dans votre langue. Ai-je raison? Tout signifie plus qu'un. Beaucoup signifie plus qu'un. Alors je dis, je ne veux qu'une chose. Donnez-moi seulement une nouvelle chose que le Saint-Esprit vous a donnée à vous, les 1000 millions de chrétiens qui sont dans le monde aujourd'hui. Une chose nouvelle que Jésus-Christ ne vous a pas déjà donnée dans tous les mots différents. Donnez-moi un. Et en 40 ans, aucun chrétien de naissance n'a été capable d'aller de l'avant et de dire, voyez, c'est ce que le Saint-Esprit nous a enseigné pour résoudre le problème.
I have to solve the problem. The sublimity of the message. Le sublime message aux gens qui prennent soin de s'adresser à la foi à Jésus et Mohammed. Jésus dit à son peuple, si vous m'aimez, observez mes commandements. C'est beau, très beau. Si vous m'aimez, observez mes commandements. Cela signifie, écoutez-moi, quoi que je vous dise, faites-le. Si vous m'aimez, alors écoutez-moi. Le saint prophète Mohammed, paix sur lui, est né pour dire, fait pour dire, allez, dis-moi. Dis si tu aimes Allah. Et puis, suis-moi, Allah t'aimera. Si tu aimes Allah, suis-moi. If you love Allah, then you follow me. Jesus said, if you love me, you keep my commandments. Jésus dit, si tu m'aimes, observe mes commandements. Vous voyez à quel genre de peuple il s'adresse. Un peuple qui ne peut que voir l'homme en face de lui. Comme quand vous parlez à vos petits-enfants, il y a tellement de façons pour encourager les enfants à bien agir. D'abord, si tu ne fais pas cela, je te donnerai une correction. Et puis, si tu fais cela, je te donnerai une sucette. Vous connaissez ces petits bonbons au bout d'un bâton. Je te donnerai une sucette. Je te donne ça. Je te donne une glace. Vous encouragez les enfants. Vous faites ainsi, je te donnerai une récompense. Je t'achèterai une glace. Vous faites ainsi, je te donnerai de l'argent pour aller au cinéma samedi. Ça dépend comment vous appâtez l'enfant, par l'encouragement. Eh bien, vous faites cela. Tu laves ma voiture, tu auras 20 pence. Vous encouragez l'enfant. Vous appâtez cet enfant. Cet enfant, quand il a atteint un degré, vous devez d'attendre ce degré où vous faites le bien dans le souci du bien. Maintenant, il agit bien. Il se tient bien parce qu'il doit bien se tenir. Il a un bon comportement. Il est très coopératif, toujours prêt à rendre service parce qu'il doit être ainsi, faire des progrès. Il y a des degrés et des degrés. Vous avez franchi une étape quand vous ne pouvez que voir l'homme en face de vous. Vous m'aimez ? Il a dit oui. Alors vous devez m'écouter. Vous comprenez cela ? Mais si vous aimez Allah, Dieu le Tout-Puissant. Lors du débat, le débat précédent avec Chorosh, il faisait glorifier Jésus jusqu'à la divinité et que l'une de ses qualités essentielles était, selon ses dires, que Jésus-Christ, quand il avait été mis en croix, avait été plein de pardon et de tolérance. Il avait dit, « Dieu, mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, c'est beau, très beau. » Mais moi je dis, il y a un temps et une place pour tout. Le pardon a ses vrais temps et places. Quand vous êtes à terre et que quelqu'un s'assoit sur votre poitrine, comme Hitler, quand il a conquis cette terre et quand les Britanniques lui ont pardonné, Jésus nous a dit de pardonner sept fois. Je te dis que tu es un idiot. Le pardon demande du temps et de l'espace. Maintenant, vous vous mettez à la place. Alors vous leur dites, vous nous avez fait tellement de mal, apprenez de nous de la pitié, nous ne sommes pas comme vous, mais nous vous pardonnons ce que vous nous avez fait. Voilà le pardon. Vous êtes en état de pardonner. Quand vous êtes à bout de ressources, vous leur dites que vous leur pardonnez. Que pouvez-vous faire d'autre ? Le vrai pardon, alors, je dis qu'il y a un moment, celui où vous contrôlez encore votre ennemi. Alors, si vous dites, je te pardonne, vous savez ce que vous faites, et je te ferai la même chose. C'est le pardon. Le saint prophète Mohammed est plein de pardon. Voyez-le. Il conquiert la Mecque. Il conquiert la Mecque après 13 ans de douleur. Il devait fuir pour sauver sa vie. Ses compagnons devaient fuir jusqu'en Abyssinie. L'immigration. Et ils ont tué sa fille. C'est ce qu'ils lui ont fait. Ainsi qu'à ses gens. Finalement, il a conquis ses ennemis. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il les appelle. Il demande, qu'est-ce que vous attendez de moi aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous voulez ? Il connaissait trop bien de quoi il était fait. Ils ont dit alors, aie pitié à notre frère généreux, notre neveu. C'est alors que le prophète de l'islam, Mohammed, paix sur lui, dit, je vais vous parler comme Joseph a parlé à ses frères. Je ne crierai pas aujourd'hui, vous êtes libre. Le temps et l'espace pour pardonner. Mohammed vous montre
quand on peut pardonner, quand vous arrivez encore à contrôler vos ennemis, que vous arrivez encore à faire ce que vous voulez avec eux, alors vous dites, je vous pardonne. Le pardon. L'accomplissement de la prophétie. Go, you are free. Time and place for forgiveness. Muhammad shows you when to forgive, that your enemy is under your control, you can do what you like with them, and then Jésus-Christ et Mohammed sont les plus proches dans l'histoire l'un de l'autre. Jésus-Christ et Mohammed sont les plus proches dans l'histoire l'un de l'autre. Jésus-Christ et Mohammed sont les plus proches dans l'histoire l'un de l'autre. Jésus-Christ et Mohammed sont les plus proches dans l'histoire l'un de l'autre. And Jesus Christ is made to say, I refer to you about the Gospel of Saint John. Et Jésus-Christ a dit, je me réfère pour vous à l'évangile selon saint Jean. Maintenant, dans le Coran sacré, dans, vous trouvez cela sous la lettre S, chapitre 61, verset 6. Voici Jésus, le fils de Marie. Il dit, tous les enfants d'Israël, most certainly, and the messenger of God sent to you all, you Jews. Très certainement, et le messager que Dieu a envoyé à vous tous, vous les Juifs, pour confirmer que la révélation viendra avant moi, dans la Torah, et rendant heureux et purifiant un messager qui viendra après moi, dont le nom est Hamad, un autre nom pour Mohammed. Il a prophétisé la venue de notre prophète sacré, paix sur lui. Et cette prophétie est toujours là dans la Bible. Elle est toujours là, malgré le fait que ces mots ne sont pas répandus dans l'ensemble, malgré le fait qu'il n'y a que 10% dans le Nouveau Testament qui sont les paroles de Jésus-Christ. Selon ce qu'on dit, 90% n'a rien à voir avec. Ce ne sont pas les paroles de Jésus, 90%. Et cette prophétie est encore et toujours ici. Où ça? Je l'ai montré à une dame égyptienne. J'étais en Égypte au mois de mars. J'avais un problème de visa. Je n'entrerai pas dans les détails. Un homme de amène une dame égyptienne, bien vêtue, à l'européenne, parlant très bien. Et il me dit, cette dame va vous aider. Elle a essayé et elle a échoué. Elle m'a demandé de m'asseoir et d'attendre une demi-heure. Je vais essayer et voir ce que je peux faire pour vous. Elle revient au bout d'une heure et me dit, je veux 40 dollars. Je lui répondis, je suis un hôte de votre gouvernement. Elle rétorque 40 dollars. 20 pour vous et 20 pour votre fils. Je lui donne les 40 dollars. Elle parlait si bien. Je lui demande, dans le peu de mots que je connaissais en arabe, je dis, quel est votre nom? Elle se dénomma. Je ne peux pas me le rappeler. Le nom était trop étrange pour moi. Je n'avais jamais entendu un tel nom de ma vie. Il m'est entré par une oreille et sorti de l'autre. Ma deuxième question, êtes-vous musulmane? Elle me répondit non, je suis chrétienne. Alors je répondis d'accord. Pour moi, elle est ma cliente. C'est ce que les musulmans devraient faire. Cherchez des clients, tous les musulmans. Vous connaissez un fait? Cherchez un client et vous lui donnez un fait. Le prophète sacré Mohammed a dit, délivrez le message, même s'il ne s'agit que d'un verset. Si tu connais un fait, donne-le. Et Allah t'en donnera plus. C'est là le secret de la connaissance. Si tu en as un, donne-le. À celui à qui tu t'apprêtes à donner, Allah t'en ajoutera un, et puis un autre. Et ta connaissance explosera et grandira. C'est le secret de la connaissance. Donnez, donnez. Alors j'ai pensé, voici une occasion. Je l'ai pensé, vous savez. Alors que c'est une chrétienne et elle est égyptienne. Alors je lui ai dit, vous savez que Jésus, avant qu'il nous quitte, dit, je ne lui ai pas traduit parce qu'elle comprenait ce que je disais. En fait, ce que je lui ai dit, pour votre intérêt, ce que j'ai dit, je l'ai tiré pour elle du chapitre 14, verset 7 de l'Évangile selon saint Jean, où il est dit, « Néanmoins, je vous dis la vérité, il est préférable pour vous que je m'en aille, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. » Je le lui ai dit en arabe, et puis je lui ai demandé, « Qui est Al-Muazzi ?» Elle m'a répondu, « Je ne sais pas. » Alors je lui ai raconté, il est écrit dans le Coran que
que Jésus avait dit à ses apôtres. And giving glad tidings of a messenger to come after me, whose name shall be Ahmad, which is another name. Je prépare le chemin d'un messager qui viendra après moi et dont le nom sera Hamed, qui est un autre nom de Mohammed. Et Mohammed, c'est un Mouazzi. Je lui ai dit, c'est très drôle. Vous connaissez les Égyptiens, les musulmans égyptiens. Ils vous emmènent au cinéma, ils vous emmènent au bal, mais personne ne vous parle de Mouazzi. Elle me donne de quoi battre comme plâtre les musulmans. Elle me dit, ces Égyptiens, je veux dire, vos frères musulmans, ils vous emmènent au cinéma. Cette chrétienne, vous les emmenez au cinéma, vous les emmenez danser. Et après, où est-ce que vous allez? Et personne ne nous parle du Mouazzi. Aussi, quand j'arrive dans cette ville, je rencontre l'élite égyptienne de nos frères musulmans. Je leur dis que je venais juste de rencontrer cette Égyptienne, une personne méticuleuse, très bien élevée. Et c'est ce qu'elle me dit. Vous les emmenez au cinéma et au bal, et vous ne leur dites rien au sujet du Mouazzi. Est-ce que c'est vrai? Ils répondent oui. Nos frères disent oui. J'ai demandé à un autre groupe, je leur ai demandé si c'était vrai. Ils ont répondu oui. Alors, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous êtes là depuis 1400 ans. Le musulman en Égypte, il dirige, il est le maître. Pendant quelques années, les Anglais ont été ici. Ils étaient les maîtres. Pendant quelques années, les Français ont été ici. Mais sur toute une période de 1400 ans, le musulman était le maître en Égypte. Sur toute une période de 1400 ans. Et durant ces 1400 ans, vous n'avez même pas égratigné la communauté chrétienne? Je veux savoir pourquoi. Et même maintenant, êtes-vous préparé à échanger un dialogue avec eux? Non, irrémédiable. 40 millions de musulmans en Égypte, ils ne sont d'aucun recours, sans aucun discours. Ils ne peuvent pas discuter avec les chrétiens, ils ne peuvent pas. Je veux savoir pourquoi. Et je leur demande, je leur dis, vous, musulmans, vous lisez le Coran dans votre langue maternelle? Ils répondent oui. Ils disent oui. Alors moi, est-ce que vous comprenez ce que vous lisez? Ils disent oui. Alors je dis, mon peuple, les Pakistanais, de ceux du Bangladesh, Hindi, mon peuple qui n'est pas arabe, mon peuple lit le Coran, mais ne comprend pas ce qu'il lit. Alors que vous, vous comprenez ce que vous lisez? Et ils disent oui. Alors je dis, Allah vous dit, il nous dit à nous, parce que nous ne comprenons pas. Pour vous, ça glisse comme de l'eau sur la plume de canard. Mais il vous dit, à vous, les Égyptiens, ô peuple du livre, ce qui signifie que les Juifs et les chrétiens ne sont pas au bout de leur religion. Et qu'ils ne disent rien sur Allah, sinon la vérité. Très certainement le Messie, traduit par Christ. Jésus est fils de Marie. Et le messager d'Allah. Et le mot qui provient de lui. Que les bienfaits soient sur Marie et l'Esprit qui vient de lui. Donc croyez en Allah et son messager Jésus. Vous leur avez dit ça? Il a répondu non. Les Égyptiens me disent non. Je dis Allah vous parle, leur parle. Ne dites pas Trinité. Ils disent arrêtez, ça vaudrait mieux pour vous. Je vous dis que Dieu est unique, il n'est pas trois en un, il n'est pas un en trois. Est-ce que vous leur avez dit cela? Il a dit non. Je réponds, Allah a dit dans le Coran, quiconque dira que Jésus, le fils de Marie et Dieu, fait, c'est un acte de blasphème et d'une trahison contre Dieu. Mais le Christ, le Christ dit, tous les enfants d'Israël, adorez Allah qui est mon maître, votre maître, et quiconque voudrait associer quelqu'un à Allah, Allah fera pour lui, le feu de l'enfer sera la demeure.
Pour les malfaiteurs, il n'y aura pas d'autre demeure que l'enfer. Alors je dis, leur avez-vous raconté ça? Il répond, non. Allah vous le dit. Allez, dites-leur. Ô peuple du livre, juifs, chrétiens, faisons en sorte de nous trouver des points communs. Évacuons tout pour nous trouver une plateforme commune. Que nous n'adorons personne d'autre qu'Allah. Et que nous n'associons personne à lui. Et que nous trouvons parmi nous-mêmes aucun maître, seigneur autre qu'Allah. Mais s'ils retournent en arrière, dites-leur que nous sommes musulmans, que nous soumettons notre volonté à celle d'Allah. Je dis, leur avez-vous dit cela? Les avez-vous appelés? Il a dit non. J'ai répondu, je veux savoir pourquoi. Avez-vous fait ça? Est-ce que vous comprenez ce que vous lisez? Allah vous parle et vous n'écoutez pas? Est-ce que cela nous est applicable? Muet, sourd, aveugle. Vous ne reviendrez pas vers... Est-ce que cela ne s'applique pas à nous? Qu'est-ce que c'est? Êtes-vous sourd? Comment se fait-il que vous ne puissiez pas ouvrir votre bouche? Ils ne savent pas, ils ne savent pas. Je demande aux Égyptiens, comment se fait-il qu'en 1400 ans, vous n'avez pas ouvert votre bouche une seule fois? Et même maintenant, vous ne parlez pas. Je veux savoir pourquoi. Je vais vous donner la réponse. Le secret. Vous savez, le secret, c'est qu'Allah nous a tout donné à nous. Personne ne lit vraiment le Coran. Nous avons le Coran. Oui, nous lisons tout sans la moindre faute, mais nous ne comprenons pas un mot. Beaucoup d'entre nous, pas un mot. Tout ce Coran que nous portons dans notre tête, mais nous ne comprenons pas un seul mot. Est vraiment une situation étonnante. C'est un miracle. C'est vraiment l'unique disgrâce pour Allah. Vous connaissez autrement le Coran? Vous pouvez le réciter par cœur. Les Arabes ne peuvent pas comprendre que si vous êtes assis en train de lire le Coran, vous êtes vraiment en train de lire le Coran. Il écoute bien mieux que beaucoup d'Arabes. Il dit qu'il vient parler avec toi. Et toi, tu ne peux pas parler? Vous voulez dire que vous avez lu le livre entier et... Et vous ne pouvez même pas dire, donnez-moi un verre d'eau. Vous ne pouvez même pas dire, donnez-moi un verre d'eau. J'ai soif. Vous savez cela? Vous êtes en train de mourir. Vous ne pouvez même pas dire. Situation complètement étonnante. Quelle en est la raison? Pourquoi ne voulez-vous pas faire le boulot? Je vais vous dire pourquoi. Vous savez qu'Allah vous donne des secrets simples. Il dit, les juifs et les chrétiens disent, vous, les musulmans, ne viendrez jamais, jamais, à moins que tu deviennes un juif, ou bien à moins que tu deviennes un chrétien. C'est ce que les juifs ont dit aux premiers musulmans. Suivre cet homme quelconque qui ne sait ni lire ni écrire, vous le suivez et il va vous guider sur le mauvais chemin. Vous voulez aller au ciel? Vous nous suivez? Les chrétiens disent, si vous voulez aller au ciel, alors suivez-nous. Alors Allah dit en réponse à cela, ceci est une pensée optimiste, pleine de fantaisie et d'hallucination. Cela est dit ici, hallucination. Ainsi, vous leur apportiez des preuves, vous certifiez que cela vous donne droit au ciel et nous destine à l'enfer. Jetons un coup d'œil sur votre certificat. Ça, c'est un secret. Jetons-y un coup d'œil. Le fait même qu'Allah nous ordonne d'exiger une preuve, cela présuppose que quand la preuve est fournie, vous devez être capable de l'analyser. C'est bien cela que ça signifie. Une fois que vous faites cela, il n'aura plus de jambes pour rester debout. Il n'a plus aucune chance contre vous. C'est maintenant que vous devez lui demander de fournir sa preuve. Mais il a apporté sa preuve sans que vous l'ayez demandé. En 2000 langues différentes, vous savez cela? La Bible. Je l'ai ici. Ma Bible dit ceci, ma Bible dit cela. On vous donne des Bibles gratuitement, vous savez cela? Il y a du travail, debout maintenant. J'ai dit le dimanche, 5000 Bibles importées d'Amérique sont distribuées lors de notre réunion gratuite. L'adresse n'était pas bonne. Elles sont allées ailleurs. C'est le travail d'Allah. Et pourtant, ils vous retrouveront, tôt ou tard, ils vous retrouveront. Ils sont persévérants, qualité que nous n'avons pas. Ils vont persévérer et faire en sorte que vous l'ayez. Vous étiez supposé leur demander une preuve. Et sans que vous leur demandiez, ils vous diront, ma Bible dit ceci, ma Bible dit cela. Maintenant, suivez bien ça. Non. Qu'est-ce que vous faites? Quand Allah vous ordonne d'exiger, de nous fournir une preuve, il présuppose que quand la preuve sera fournie, nous serons capables d'analyser.
En d'autres termes, cela n'a pas de sens. Non-sens. Dès que vous commencez à analyser, vous découvrez qu'il n'y a plus de jambes pour tenir debout. Toutes les choses qu'il dit ne sont pas dans le livre. Quoi qu'il essaie d'enseigner, n'y est pas. Qu'est-ce que vous faites? Oubliez les petits fascicules si vous avez la Bible. Vous en avez besoin comme d'un livre qui vous instruit. Comment faire avec la Bible? C'est la Bible de la parole de Dieu, du centre de propagation de l'islam à Birmingham ou bien ici à Bradford. On vous aidera. Commencez-en une ici. Cela vous fera de la littérature, maîtrisez-la, étudiez-la, aidez à vos autres frères, échangez-le avec d'autres gens. Ne vous accroupissez pas à ne rien faire, à attendre comme un canard assis qui attend que les gens se servent de lui comme une cible. Il vous utilise, se servent de vous comme d'une cible. Il se servent de vous comme d'un paillasson. Le fait de manger ou de boire notre thé, de manger notre... fait de nous une masse. Est-ce cela que Allah a mis en réserve? Non, il dit, Allah dit, le destin des musulmans et de l'islam, c'est, il vous a donné un dîn, maître qui peut les appeler tous et par-dessus tout. Celui qui a envoyé son messager avec des instructions, avec la religion de la vérité, il peut prévaloir sur tout, que ce soit l'hindouisme, le bouddhisme, le christianisme, le communisme, le judaïsme, toutes les 15 minutes, l'islam est appelé à les dominer tous, écraser-les tous. Écraser-les tous, vous savez comment ça marche? Il me fascine quand je les vois déplacer des montagnes. C'est vous, bulldozerisez-les tous. Et vous savez qu'Allah est le témoin du fait que cela fera son dîn, pour l'emporter avec ou sans vous. Mais bon à rien que vous êtes, il vous donne à vous et à moi l'occasion de conserver son dîn. Vous faites le travail d'un prophète et vous obtenez la récompense. Allez-vous choisir cet honneur et ce privilège? Il veut vous donner le travail d'un prophète, et vous aurez la récompense d'un prophète. Parce que si vous faites le travail d'un prophète, Allah vous paiera moins. Et si vous faites le travail d'un directeur, il vous paiera ce que gagne un balayeur. Allah n'est pas comme ça. Vous faites le travail d'un prophète, et vous obtenez la récompense d'un prophète. C'est votre destinée. Bulldozerisez-les tous. Pas avec un fusil, ni une grenade. Si vous avez un fusil laser, Allah vous interdirait de l'utiliser. La contrainte n'existe pas en religion. Il n'y a pas d'usage de la force en religion. Même si vous en aviez la possibilité, vous ne pourriez pas l'utiliser. Cela n'en vaut pas la peine. Il y a quelques frères chrétiens parmi nous, quelques non-musulmans aussi. Écoutez, je vais vous piéger. Dites-la. La croyance de l'islam, qu'est-ce que c'est? Sinon, ils vont vous tuer. Ainsi, le pauvre dit, alors qu'est-ce que cela vaut? Je vous demande qu'est-ce que cela vaut? Rien, foutaise. Allah dit non, vous ne pouvez pas faire ça. Cela doit venir de votre propre volonté, de votre propre coopération, de votre vouloir d'être ensemble, d'être des compagnons de la foi, être ensemble. Et ceci est le destin des musulmans. L'art est la manière de faire le travail. Il faut maîtriser les armes, cette arme qu'il transporte, ce livre. Il vous fait connaître son livre. Une fois que vous connaissez le livre, il est comme un enfant qui joue devant vous. C'est avec ces mots, mes chers frères, que vous lanciez ce défi. Donc l'islam est un défi qui leur est lancé. Et pour nous, c'est le monde entier qui est un défi. Et notre destin est de changer le monde pour Allah. Et la façon de le faire est de maîtriser l'arme de l'ennemi. La guerre est faite de stratégie, et la stratégie exige que vous utilisiez l'arme de votre ennemi. Et l'arme qu'il utilise, c'est le livre, la Bible. Maîtrisez le livre et vous arriverez au sommet. Permettez-moi de vous remercier pour cette lumineuse intervention qui nous éclaire sur plein de choses. Puisse Allah vous en récompenser. Il y a une dame parmi nous qui, je pense, est anglaise et chrétienne. Elle souhaite adhérer à l'islam. Nous souhaitons la bienvenue à cette dame au sein de l'islam. Accueillez-la comme notre sœur.
Et mon honorable invité a demandé à ce que l'on sache que quand le temps des questions et des réponses sera terminé, nous la rencontrerons. Vous donnez à entendre que Jésus n'est venu que pour les Juifs. Pourtant, il dit à un dirigeant juif que Dieu aimait tellement le monde, donc cela nous inclut tous, qu'il lui avait donné son Fils, que celui qui croit en lui ne mourra pas. Et puis, quand le centurion romain est venu le chercher pour son serviteur, il lui a dit : je n'ai jamais rencontré une telle foi en Israël, que beaucoup viendraient de l'Est et de l'Ouest pour fêter Abraham, Isaac et Jacob, parce que beaucoup de Juifs seraient absents. Voyons, monsieur, le premier verset que vous citez est tiré de Jean chapitre 3, verset 16. Mais Jésus n'a pas utilisé ces mots. Ce sont les paroles de Jean. Jésus n'a pas dit « Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique que celui qui croit en lui ». Ce ne sont pas les paroles de Jésus. Cherchez dans la Bible la lettre rouge et vous verrez que ce ne sont pas les paroles de Jésus. Elles sont écrites en noir. Vous faites un signe de tête, mais ce que vos savants chrétiens nous enseignent, c'est que ce ne sont pas ses propres paroles. En ce qui concerne le centurion ou le soldat romain, est-ce qu'il a converti cet homme? A-t-il converti le romain? A-t-il converti le grec? Il l'a converti en dehors des 12 disciples? Y avait-il un non-juif? 100% étaient juifs. Il n'y a pas d'autres questions, s'il vous plaît? En venant à la réunion ce soir, je n'étais pas sûr de ce que j'allais trouver. Quand j'ai passé la porte, tous les doutes que j'avais sont tombés. Le thème était Jésus et Mohammed. Et je vous remercie d'avoir placé Jésus en premier. Je suis sûr que vous reconnaîtriez que vous ne l'avez pas fait pour les chrétiens, comme un chrétien l'aurait fait. Je suis sûr que vous, ce que peut comprendre dans une telle audience à la grande majorité de gens tournant autour de la pensée islamique. En fait, je voudrais dire qu'en tant qu'individu, je respecte le Coran, mais je crains que vous ne m'ayez satisfait. Est-ce que vous traiteriez la Bible de la même façon? En fait, je suis enseignant, et dans la classe, il y a une télévision fixée au mur. Sur la télévision, il y a juste une petite place qui contient le Coran, parce que je le respecte. Il y a des enfants musulmans dans mon école, je le place haut. Je sais que vous respectez votre livre, vous voulez le mettre à la plus haute place, c'est ce que je fais. Je le mets à la plus haute place. Et ce que je dois vous dire est ceci. Vous ne m'avez pas vraiment convaincu. Pour le chrétien, amour et pardon, ce sont deux choses essentielles. Et malgré cela, vous dévalorisez le pardon pour une raison ou pour une autre, d'une manière aussi forte que possible. Et bien plus que cela, et peut-être nous êtes-vous redevable sur ce point, vous avez beaucoup parlé de Jésus, vous avez beaucoup parlé de notre livre saint, mais vous avez peu parlé de Mohammed ou bien trop du Coran, mis à part son aspect missionnaire. Pourriez-vous me dire, et de même n'importe qui dans cette salle, comment vous pouvez croire en un homme qui ne saurait pas lire, qui ne saurait pas écrire, et qui pourrait entraîner ses disciples dans une guerre sanglante? Comment pouvez-vous croire que cet homme puisse être un disciple de Dieu et qu'il puisse laisser seul un prophète de Dieu, adhérer à son enseignement avec une si grande facilité, et puis rejeter et le christianisme et le livre saint du christianisme avec la même aisance? Vous voyez, dans votre petite intervention, vous m'envoyez tellement de questions, telles que, comment pouvez-vous croire en un homme qui était illettré, qui, au nom de la foi, a répandu le sang de son peuple? Maintenant, si l'on considère que cet homme qui n'a rien appris, si on voit que c'est l'accomplissement de la prophétie qui est dans votre Bible, un accomplissement, le livre dont je parle, chapitre 29, verset 12, il y a dit dans ce livre à celui qui n'a pas appris, le livre, s'il vous plaît, le livre est donné à celui qui n'a pas appris en disant, puis il dit, je ne suis pas instruit.
Maintenant, si vous regardez l'histoire religieuse de l'homme, la Bible, vous ne trouverez nulle part, où il soit, un prophète, une fois le message de Dieu transmis, qui dit « Je ne suis pas instruit ». Mais si vous lisez n'importe quel biographe de Mohammed, n'importe lequel, qu'elle soit écrite par un musulman ou pour un non-musulman, elle vous dira que la première révélation qui lui a été faite dans le Gahahira, le mont Yara, quand l'ange de Dieu se présente à lui, il lui ordonne dans sa langue maternelle, il lui dit « lis », et que Mohammed répond « je ne sais pas lire », alors l'ange de Dieu lui ordonne une seconde fois « lis », et une nouvelle fois il répond « je ne sais pas lire », alors à la troisième fois, l'ange de Dieu dit, ce qui veut dire « lis au nom de ton Dieu, le Créateur ». À ce moment-là, il saisit le message, celui pour lequel il était requis, qui était, parce que le mot arabe « ikra » signifie « lis, répéter, réciter », alors il répète les mots qui lui avaient été donnés. « Lis au nom de Dieu, le Créateur ». Il a créé l'homme de rien. « Lis et le Seigneur te donnera l'abondance ». Celui qui a enseigné l'usage de la plume a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Le fait même que l'homme soit ignorant prouve que ce livre est le livre de Dieu. Un homme illettré, un homme qui ne sait ni lire ni écrire. Excusez-moi, ne perturbez pas le présentateur. Cet homme ne peut pas écouter deux personnes à la fois. Personne ne le peut. Donc, le fait même que l'homme ne sait ni lire ni écrire, il produit un livre de lui-même apportant des solutions à vos problèmes, tous vos problèmes. Cela, c'est un défi, par exemple. Un homme arrive, vous avez des problèmes. Il y a 4 millions de femmes en Angleterre qui ne peuvent pas trouver un mari, même si tous les Anglais trouvaient des épouses, et cela n'arriverait pas. Vous avez 4 millions de vos sœurs, vos cousines et tantes qui n'arriveront pas à trouver le mari. Où est la réponse? Ce livre donne la réponse. Pour les problèmes d'alcoolisme, vous n'avez pas de réponse. Vous tâtonnez, 2000 ans, ce livre vous apporte des réponses. Je peux répondre à cela en disant que les prises d'otages au Liban étaient faites par les musulmans, et l'Irak par l'Iran, cette guerre était faite par les musulmans, et puis il y a d'autres choses. Maintenant, écoutez, vous pouvez très bien comprendre la mise au point que je fais. Je n'essaye pas de dénigrer Mohamed, je ne ferai certes pas dans, comme ça, Mohamed. Je vais vous écouter, mais... Pourquoi ne pas me laisser finir? Laissez-moi finir. Vous êtes directeur, oui, d'une école. Et vous savez, tenez, laissez-moi finir. Je vous laisserai une deuxième occasion, s'il vous plaît. S'il vous plaît, la deuxième accusation selon laquelle il a répandu le sang pour sa religion. Vous connaissez ce grand homme de notre peuple, un grand homme, Thomas Carlyle. Vous avez entendu parler de lui, un des plus grands penseurs du siècle dernier. En 1840, en Angleterre, il s'est livré à une série de publications sur les héros, l'adoration des héros. Et savez-vous qui il a choisi comme prophète? Héros? Mohammed. Saviez-vous cela? Mohammed, son prophète héros. Pas David, pas Salomon, ni Moïse, ni Jésus, mais Mohammed. Comme son prophète héros. Vous, Thomas Carlyle, vous défendez Mohammed. Écoutez-le, tout compte fait, qui l'a payé? Pour dire les choses qu'il disait, dites-le-moi. Je dis que certains Arabes l'ont payé en 1840 en Angleterre. Mais le monde musulman arabe est en pleine déchéance, jusqu'au cou. Cet homme anglais, britannique, Thomas Carlyle, il dit à propos de votre accusation, l'épée en effet, mais où avez-vous pris cette épée? Toute nouvelle opinion à sa naissance est précisément en position de minorité dans l'esprit d'une seule personne. Et pourtant, c'est un homme en face de tous les autres. Que vous preniez une épée pour propager sa pensée l'aidera trop peu. Mais d'abord, vous devez prendre votre épée. Mais quand la prenez-vous? Où allez-vous trouver cette épée? Par la force. Un homme en face de tous les autres, la nation tout entière. Quoi qu'il prêchait, il s'opposait à la doctrine de la nation. Il n'était pas comme les politiciens. Mohammed n'était pas un politicien. Les politiciens vous donnaient ce que vous souhaitiez. Churchill vous donnait ce que vous souhaitiez. Vous vouliez sauver votre pays des Allemands. Il a dit, écoutez-moi, je veillerai à ce que l'Allemagne ne conquiert pas ce pays. Hitler a dit à son peuple, écoutez-moi, je vous donnerai Liebenstrom, je vous donnerai l'occasion de maîtriser l'Europe et le monde pour 1000 ans. Mohammed s'opposait à la doctrine de la nation tout entière, une nation d'ivrognes. Il voulait boire et il leur a dit de ne pas boire. Il voulait jouer pour de l'argent, il leur a dit de ne pas jouer pour de l'argent.
Il voulait des femmes sans limitation. Il leur a dit non, limitez leur nombre. À chaque pas, ils s'opposent à la doctrine et les a conquis. Avec quoi? Une épée? Un homme contre le monde entier avec une épée? Cela a-t-il un sens? Puis les musulmans se sont répandus, vous savez. Nous avons maîtrisé l'Espagne pendant 800 ans. En 800 ans, les musulmans ont utilisé tous les moyens possibles, même des moyens économiques, sans lesquels nous aurions été chassés d'Espagne. 800 ans. Nous avons maîtrisé ce pays. Et quand nous avons été expulsés, il ne restait pas un seul homme dans ce pays pour donner. La raison? Parce qu'ils n'ont utilisé aucun moyen de défense. Nous avons maîtrisé l'Inde pendant 1000 ans. Et après 1000 ans d'occupation musulmane, quand l'indépendance se produisit, les musulmans ont obtenu un quart et les hindous trois quarts. Pourquoi? Parce que nous n'avons utilisé aucun moyen. En Indonésie, je voudrais savoir quelle est l'armée musulmane qui est allée là-bas. 130 millions de musulmans là-bas. En Malaisie, quelle armée musulmane est allée là-bas? L'Afrique de l'Est tout entière, quelle armée musulmane est allée là-bas? L'Afrique de l'Ouest tout entière, quelle armée musulmane est allée là-bas? Dites-le-moi, la force. Aujourd'hui en Grande-Bretagne, des gens comme vous, monsieur, des gens qui pensent, qui n'ont pas de préjugés, acceptent l'islam. Quelle sorte de gens? C'est une sorte d'intellectuel, monsieur. Un petit principe. Que le président, je pense, a oublié de développer. C'est que chaque personne n'aura le droit qu'à une seule question à la fois. Non. C'est-à-dire une question à la fois, et la personne regagne sa place et attend de nouveau son tour. Puis-je juste vous remercier d'écouter que Jésus est le Seigneur. Amen. Je suis professeur dans une école et un chrétien fondamental, et j'ai appartenu à de nombreuses églises. Je ne vois pas la chrétienté que selon les termes de Jésus, selon les termes des différentes sortes d'églises proches de la chrétienté. Et, monsieur le conférencier, je suis réellement concerné par les exemples de conduite chrétienne que vous avez cités à l'auditoire ce soir. Ces exemples à propos de Liverpool, ces exemples sur le taux de divorce en Angleterre, les exemples sur le type de monde dans lequel nous vivons. Je vous accorde que l'Angleterre est un endroit qui a désespérément besoin de rédemption. Mais je crois que cela doit être à travers Jésus. Je n'interroge pas Mohamed, mais je dis que je crois en Jésus. Je voulais juste savoir si vous pensez que vous avez donné de sincères exemples des chrétiens de leur conduite. Croyez-vous que les gens que vous nous avez cités en exemple sont en fait des chrétiens pratiquants? Ce que je disais, je voulais dire, voyez-vous, que vous avez un problème. Vous acceptez d'admettre que vous avez un problème. Non, les chrétiens n'ont pas de problème. Les gens en Angleterre ont un problème. Les chrétiens en Angleterre, en Amérique, dans le monde entier, vous avez certains problèmes. En Afrique du Sud, ils ont certains problèmes. Non, les chrétiens n'ont pas de problème. Je crois que là est votre problème. Votre problème est que vous considérez notre culture sous un certain angle. Supposant que nous avons l'esprit chrétien de naissance, que la reine, qui est le chef de l'Église en Angleterre, je ne sais pas si la reine est une chrétienne convaincue, je ne sais pas si le Premier ministre est un chrétien convaincu. Je souhaite profondément qu'ils deviennent des chrétiens convaincus, parce qu'ils sont les seuls capables de diriger le pays. Je pense que le problème est que lorsque vous assumez un peuple, vous vous posez en exemple, divorce et tout ça. Alors vous êtes dans des eaux très dangereuses parce que vous êtes vraiment en train de condamner des gens qui ne sont pas chrétiens du tout. Comprenez-vous ce que je veux dire? Maintenant, vous avez une réponse. Si vous êtes chrétien, chose que vous prétendez être, la reine d'Angleterre ne l'est pas. Le Premier ministre ne l'est probablement pas. Vous l'êtes. Vous dites que vous êtes né une seconde fois. Non. Vous êtes né une seconde fois. Alors, vous croyez que vous êtes chrétienne. Mais le reste de ce pays, ils remplissent des formulaires officiels. Quand on leur pose la question quelle religion, ils ne disent pas qu'ils sont juifs, bouddhistes ou musulmans. Ils disent chrétiens. Ainsi, attendez, s'il vous plaît. Ainsi, ils remplissent des formulaires comme étant chrétiens. Les musulmans, quand ils remplissent les formulaires, disent qu'ils sont musulmans. Cela ne veut pas dire qu'ils sont de bons musulmans. Mais quand un musulman fait quelque chose de mal,
Je ne peux pas dire qu'il n'est pas musulman. Vous voyez, c'est très facile pour les chrétiens de dire qu'ils ne sont pas chrétiens. Je dis, regardez, votre frère a commis un meurtre ou a violé quelqu'un. Comme pour un musulman, par exemple. Je me sens honteux. Je ne dis pas qu'il a été un très mauvais musulman. Je ne peux pas dire qu'il n'est pas musulman. Vous pouvez vous en sortir très facilement en disant que le Premier ministre n'est pas chrétien. Mais en Afrique du Sud, il n'est pas chrétien non plus. Reagan n'est pas chrétien. Swaggart, il narguait des millions de téléspectateurs. Swaggart, quand vous l'écoutez, vous et tous les nés une seconde fois, chrétiens d'Amérique, 75 millions de nés une seconde fois, quand il l'écoutait, il l'adulait comme un chrétien. Puis il se fait arrêter. Maintenant, vous dites qu'il n'est pas chrétien. Maintenant, il est arrêté. Swaggart est arrêté. Jim Baker a été arrêté. Marvin Gorman, le révérend, tous arrêtés. Alors, vous me dites immédiatement qu'il n'est pas chrétien. C'est une porte de sortie très facile. Mais maintenant, vous êtes chrétien et ils sont beaucoup comme vous qui disent qu'ils sont des nés une seconde fois. Vous avez une nouvelle vie, d'accord. Maintenant, vous devez fournir l'explication, la solution au problème. Vous avez 4 millions de vos sœurs. Ici, chaque Britannique se marie, resteront sans époux. Comment voulez-vous satisfaire les besoins de ces 4 millions de vos sœurs, vos tantes, qui ne peuvent pas avoir de mari? Donnez-moi la solution au problème. Nous vous écouterons. Mais vous devez aller à l'arrière maintenant. Reprenez votre place, s'il vous plaît. Just like to make a suggestion and ask for your comment on it, because I think we could argue till we're blue in the J'aimerais simplement faire une suggestion et vous demander de la commenter, car j'ai l'impression qu'on peut discuter jusqu'à l'infini à propos des aspects négatifs de ceux que l'on appelle les chrétiens, de ce qu'ils ont fait, et les aspects négatifs des gens qui prétendent être musulmans. Nous pouvons en quelque sorte aller un peu en arrière et en avant, comme dans un match de tennis avec ce genre de choses. Ainsi, c'est, pour moi, vous avez des mots dans la Bible que vous acceptez comme la prophétie que vous attribuez à Mohammed et que nous attribuons au Saint-Esprit. Alors, c'est comme dans un match de tennis. Non, c'est le Saint-Esprit. Non, c'est Mohammed. Eh bien, vous parlez des révisions majeures qui ont été faites. Mais la Bible, je voudrais juste que vous me répondiez à ça. Je ne suis pas un conférencier, alors ça me prend un peu plus de temps. Bon. Alors, les traducteurs de la Bible utilisaient des manuscrits grecs qui remontaient au IIe siècle. Un autre argument que sûrement vous ne pouvez pas utiliser à propos de la Bible est du fait qu'elle a été révisée 5 fois depuis le roi Jacques en 1611. 5 fois. Cela ne peut être vrai car après chaque révision, ils découvrent, durant ce siècle-là, d'autres manuscrits qui remontent encore plus loin, et ils utilisent ces manuscrits grecs comme moyen de comparaison. Alors ma question est, comment pouvez-vous trouver la vérité à travers de telles discussions? Car le troisième calife, d'après ce que j'ai lu, a lui aussi influencé la compilation du Coran. Il avait un Coran et ses femmes en avaient un sous le lit, ou je ne sais où. Il y avait également d'autres écrits en circulation, apparemment. Et le troisième calife les a regroupés et a dit, il faudrait qu'on ait un Coran définitif. Et il décida d'éditer la vérité. Alors honnêtement, quel moyen pour nous de connaître le vrai livre? Ce n'est pas à vous de décider. Regardez, je suis chrétien, je vais dire, c'est celui-là. Vous êtes musulman, vous allez dire, c'est celui-ci. Honnêtement, prenons les deux livres et asseyons-nous devant eux et disons, Dieu, le vrai Dieu, parlez-moi, je vous en prie, lisons-les tous les deux et demandons à Dieu de nous guider. C'est certainement le seul moyen. Nous pouvons discuter à l'infini, mais je peux dire que je vous aime. Jésus nous a fait redécouvrir l'amour. C'est sa réponse au monde. Maintenant, vous pouvez dire ceci ou cela. Quelle est votre réponse à ce que nous ayons les deux livres et demandions, Dieu, quelle est la vérité, au lieu de discuter et de dire que la Bible a été modifiée. Ils ont des manuscrits qui remontent au IIe siècle et le calife a changé le Coran. Peut-être. Finissons-en. Quelle est votre réponse? La seule réponse n'est-elle pas de prier, tout simplement, au lieu de passer des heures à discuter? Certainement. Juste prier, qu'en pensez-vous? Vous voyez, vous ne cessez pas de nous dire, avec tous les mots possibles, prenons les deux livres et lisons-les pour obtenir qu'Allah nous dise. Regardez, ce n'est pas le livre de Dieu, mais c'est... Ce n'est pas la Bible, mais le Coran, et vous allez écouter ce Dieu. Si vous entendez cette voix du ciel en train de vous dire que cette Bible, ce n'est pas le livre de Dieu, c'est, selon Bernard Shaw,
votre grand homme, George Bernard Shaw, vous savez, l'auteur de théâtre, il dit, c'est le livre le plus dangereux sur Terre, gardez-le sous clé. Vos enfants ne doivent pas avoir accès à ce livre. C'est ce qu'il a dit, George Bernard Shaw. Le Pentrus Magazine, le magazine chrétien venant d'Amérique, 7 à 8 millions d'exemplaires gratuits par mois, distribués gratuitement. Ils disent que la censure sera en mesure de le classer X. Je ne voudrais pas entrer dans les détails de tout ça, nous l'avons déjà fait. Mais vous, le gars qui prétend que Dieu lui parle, vous savez, Marvin Gorman, en Amérique, l'évangéliste, c'est ce qu'il prétend, que Dieu lui parle. Marvin Gorman, le révérend Marvin Gorman, il a été arrêté pour adultère et a été banni de son église. Jim Becker, Dieu lui parle. Jimmy Swaggart, dans ses livres, si jamais vous avez l'occasion de les lire, il dit que Dieu lui parle. Il lui dit, mon fils, il lui dit ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Dieu Tout-Puissant ne lui a pas dit, par exemple, de ne pas aller chez les prostituées deux fois par semaine, deux fois par mois, non. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Les gens qui prétendent que Dieu leur parle ont une sorte de maladie. Ils ont besoin d'un psychanalyste. Le type qui dit maintenant Dieu, parce que Dieu ne parle pas comme ça. Il ne vient pas vers vous, Tom, Dick ou Harry, et leur dit, pas ce livre, mais l'autre. S'il faisait ça, il le ferait avec tout le monde. Tout le monde aurait suivi le Christ ou aurait suivi Mohammed. Dieu ne fait pas cela. Il vous a donné l'intelligence. Il vous a donné l'intelligence, et cette intelligence, vous devez l'utiliser. Et ce que j'étais en train de vous expliquer, il y a un cas dans lequel Jésus-Christ fait une prophétie au cours de laquelle il dit que quelqu'un viendra et vous guidera vers la vérité. Vous dites que l'Esprit de la vérité est le Saint-Esprit. Cet Esprit est le Saint-Esprit. Je dis maintenant, regardez, qu'est-ce qu'il a enseigné de nouveau en 2000 ans? Personne ne viendra pour donner une réponse. Vous avez des questions, là, ce jeune homme, là-bas, il prend ça comme excuse pour donner sa carte. Il est resté sans voix, aucune question à poser. Il y a quelque chose qui ne va pas, on dirait que le Saint-Esprit fait taire les gens quand ils viennent au micro pour poser une question. Que se passe-t-il? Vous avez l'esprit en vous, mais personne ne pose de questions. Je dis, regardez, le moyen, c'est le Coran. Le Coran nous dit comment trouver. Ce livre confirme ce qui est correct dans votre Bible et corrige ce qui est erroné. Il vous corrige et vous enrichit. C'est l'objectif de ce livre. Maintenant, analysez ce livre. Vous connaissez déjà la Bible, maintenant lisez le Coran. Il vous fournit des solutions à vos problèmes. Le problème de l'alcool. Vous ne l'avez pas encore. En 2000 ans, avec tous vos nés une seconde fois, 75 millions de nés une seconde fois, des chrétiens en Amérique, vous n'avez toujours pas de solution à vos problèmes. Si vous voulez les réponses à vos problèmes, les solutions sont là. Ouvrez le livre et lisez-le. Si vous n'avez pas de préjugés, si vous ne voyez pas tout en noir, spirituellement, vous serez capable de reconnaître la voix de Dieu, la voix de votre maître. Le Dieu Tout-Puissant parle, comme Jésus parlait aux Juifs. Il dit, les chèvres et les moutons écoutent la voix de leur maître. Comment se fait-il que vous n'entendiez pas la voix de votre maître? C'est-à-dire la voix de Dieu à travers Jésus. Comment ça se fait-il? Vous avez des préjugés, et la chose à faire est d'enlever d'abord les œillères à ces préjugés. Lisez le livre, et écoutez si ce n'est pas l'esprit de la vérité que vous attendez. Car autrement, il n'y a point d'espoir, la maladie va se développer. Né une seconde fois, né une seconde fois, né une seconde fois, mais ils ne grandissent jamais. S'ils sont nés une seconde fois, des petits-enfants, personne ne grandit. Alors mon fils, le moyen c'est d'agir. Tu n'attends pas que Dieu vienne te parler du ciel, car ce département est fermé. Ce département est fermé. Il vous a donné des livres, jugez par vous-même. Voilà la réponse. J'ai trouvé votre discours très instructif et par moments très intéressant à écouter. Ce que je trouve très triste en revanche, et je suis un chrétien, ce que je trouve très triste, c'est qu'en 40 ans, corrigez-moi si je me trompe, car je crois bien que vous avez dit en 40 ans, vous n'avez jamais, jamais rencontré un chrétien qui soit capable de venir à vous et de vous dire ce que le Saint-Esprit a fait pour lui. Est-ce juste? Je l'ai dit. Allez-y, je pense que j'ai dit qu'en 40 années de ce travail, personne n'a rien fait sortir de nouveau. Aucune église,
y compris les nés une seconde fois. Vous devez venir et me dire que le Saint-Esprit est venu et vous a apporté des solutions à vos problèmes. Où ? À quelle église est-il allé ? Où est-il venu donner des réponses pour le reste de la chrétienté ? Et l'alcool ? Qu'est-ce que vous faites de l'alcoolisme ? Qu'est-ce que vous faites des jeux pour l'argent ? Qu'est-ce que vous faites du surplus de femmes ? Qu'est-ce que vous faites du racisme ? J'aimerais bien savoir ce que le Saint-Esprit a dit à qui que ce soit. Pendant 40 ans, je pose la question. Personne n'est sorti avec une vérité, avec une seule nouvelle vérité que le Saint-Esprit a donnée à n'importe quelle église, n'importe quand. Une vérité nouvelle. Si vous l'avez, écoutons-la. Dieu s'intéresse aux hommes et aux femmes, et Dieu s'intéresse à ma vie depuis que le Saint-Esprit est venu dans ma vie. Quand nous sommes devenus des chrétiens, nés une seconde fois, il m'a aidé à prendre des décisions concernant mon argent. Il m'a aidé à aimer ma femme. Individuellement, n'importe quel système. Voyez, il y a des gens qui cherchent un exutoire. Les chrétiens cherchent un exutoire. Certains le trouvent dans l'hindouisme, certains le trouvent dans le mouvement Hare Krishna, d'autres joignent les cultes de la magie noire, l'adoration du diable, et vous trouvez quelqu'un quelque part au bout du compte. Que le type se fait arrêter, il devient témoin de Jéhovah, et dit qu'il a trouvé. Certains deviennent des nés une seconde fois et disent qu'ils ont trouvé. L'expérience dont il parle est quelque chose de subjectif. En d'autres termes, l'être humain, n'importe qui, si vous êtes en train de chercher une porte de sortie ou un exutoire, sa femme et lui devraient avoir des disputes à n'en plus finir. Probablement buvait-il trop, tout cela c'était des problèmes. Il cherchait un exutoire, une sortie, et quelque chose est venu, avec des paroles convaincantes, et a dit, « Mon fils, permettez au Christ d'entrer dans votre vie. » Je dis, « ça marche bien, il n'y a pas de doute. » Mais le mouvement Hare Krishna marche aussi, l'islam marche aussi, le bouddhisme marche. Vous voyez un homme qui se noie, s'attache à une paille, quelque part dans la vie, une petite aide, et vous êtes sauf. Mais la question est toujours là. Regardez, vous n'avez pas répondu à la question. 40 ans, pas un seul chrétien dans le monde, de n'importe quelle église ou dénomination, n'est venu pour dire que le Saint-Esprit a donné à son église cette solution. Les anglicains, les catholiques, romains, les presbytériens, est-ce qu'il y a une seule église qui dit qu'elle a entendu le Saint-Esprit nous dire comment résoudre le problème de l'alcool ? Comment résoudre le problème des femmes en trop ? Comment résoudre le problème du racisme ? Ce ne sont que des expériences individuelles que n'importe qui traverse à n'importe quel moment. Je ne mets pas votre parole en doute, mon fils, mais vous avez dit que la vie pourrait être changée. Mais cela ne changerait pas la vie de 60 millions de Britanniques et cela ne changera pas la vie de 250 millions d'Américains. Vous avez besoin d'un mode de vie, d'instructions directes dans lesquelles tout un chacun peut comprendre, dans une langue claire et précise. Ce livre vous apporte tout cela. Monsieur, je suis musulman, donc je parle en supposant que les gens qui me suivent sont également des musulmans, à quelques nuances près. Donc je suis... Le problème est qu'au début de votre honorable discours, magnifiquement préparé et très recherché, vous avez fait référence à Jésus-Christ comme... Je suis musulman et comme vous, je crois en lui comme un véritable prophète de Dieu. Au fur et à mesure de votre intervention, j'ai eu l'impression, peut-être étais-je la seule personne à avoir eu cette impression, et peut-être d'autres personnes vous ont-elles écouté avec un esprit large, comme je l'ai fait moi aussi, ou du moins comme j'ai essayé de le faire moi aussi. J'avais l'impression que par moments, sauf votre respect, vous aviez l'air de vous moquer. Vous aviez l'air de vous moquer de son enseignement. Donc je pense que si cette impression est juste, lorsque vous parliez, vous aviez non seulement, encore une fois, sauf votre respect, non seulement vous vous contredisiez, mais en plus, vous avez mal présenté les enseignements de l'islam, qui sont, sauf votre respect, dus à tous les vrais prophètes d'Allah. Quel commentaire pouvez-vous apporter à cela ? Avant de vous éloigner du micro, vous voyez, vous avez fait une allégation selon laquelle je me serais moqué de Jésus. J'aimerais que vous me donniez un exemple. Rendez-vous compte, j'ai parlé pendant plus d'une heure. Vous pouvez donc me donner au moins un exemple. Laissez les gens entendre comment je me suis moqué en tant que musulman. Un seul exemple. Laissons-le écouter. Comment pourrais-je m'exprimer ? L'impression que j'ai eue était que ce sont des enseignements islamiques. De vrais enseignements d'Allah.
des enseignements qui développaient les autres enseignements, une expansion des autres enseignements, comme vous l'avez si bien dit, au monde entier. Mais la manière dont vous avez conduit votre discours et la manière dont vous vous référez à au long de votre discours, il n'y a pas d'exemple particulier tel que je puisse vous donner. J'ai parlé pendant une heure et quart et vous êtes incapable de me fournir un seul exemple de moquerie. Mais vous avez dit que ces enseignements étaient incorrects. Arrêtez. Bon, écoutez, ceci est de l'hypocrisie au plus haut niveau. Quand vous venez ici affirmer que vous êtes musulman, vous parlez avec une telle assurance et vous dites qu'il y a des gens qui vous suivent. Je ne sais pas ce que vous voulez dire quand vous dites qu'il y a des gens qui vous suivent. Soit vous appartenez à une nouvelle élite ou quelque chose que je ne connais pas. Vous avez parlé des gens qui vous suivent. Je ne sais vraiment pas qui vous suit. Hein? Tout le monde ici vous suit. Non. Vous avez dit qu'il vous suivait. Alors vous voyez. Vous êtes un mauvais leader, mon fils. Vous faites un mauvais leader. Ce que vous avez à faire est de donner des exemples. Maintenant, si vous êtes chrétien, je serais heureux d'être avec vous comme chrétien. Parce que si vous dites que je me suis moqué, je dirais que c'est ce que la Bible dit, que c'est ainsi qu'elle le présente. Il a dit, « Ô génération de vipères, vous, sépulcre, vous, la génération méchante et adultère. » Alors, si cela est une offense pour qui que ce soit, je dis, ce ne sont pas mes mots. Je n'ai jamais parlé ainsi, je n'ai jamais proféré de tels mots. Et que vous, idiots, hypocrites, vous, fils de serpents, vous savez qui parle ainsi? Jésus, dans la Bible, il dit, fils de serpents, vous, les méchants, la génération adultère. Vous savez que Jésus parle ainsi? Les chrétiens disent que c'est ainsi que Jésus parlait. Réalisez-vous qu'il a insulté sa mère? Il a dit, « Femme, qu'est-ce que je dois faire avec toi ?» Vous disiez que je me moquais. Est-ce moi ou la Bible qui se moque de l'homme? Je voudrais savoir, si vous étiez chrétien, je pourrais vous poser la question. Écoutez, vous ne connaissez pas votre propre livre. Je ne fais que citer ce qu'il est supposé avoir dit. Il a dit, « Ne jetez pas les grains des enfants aux chiens. » Maintenant, approchez, le chrétien doit venir, là, moi j'affirme que Jésus n'a jamais dit de telles choses, je me moque de sa religion, je dis ce que Jésus a dit, il a dit, ne jetez pas ce qui est sacré aux chiens, aux cochons. Est-ce que c'est moi qui me moque de lui, ou bien c'est vous? Si vous êtes chrétien, moi je dis que c'est vous qui vous moquez de Jésus. Ce puissant messager de Dieu duquel nous croyons qu'il est né miraculeusement, étant musulmans, nous croyons à cela, sans aucune conception humaine. Ce livre nous donne deux généalogies de Jésus. Matthieu et Luc vous donnent 66 pères et grands-pères, un homme qui n'a jamais eu de père. Maintenant, j'aimerais savoir qui se moque, le Coran ou la Bible? 66 pères et grands-pères pour un homme qui n'a pas de père. Et parmi les deux listes données à Matthieu et à Luc, il n'y a qu'un seul nom commun entre les deux. Joseph, le menuisier. Il n'est pas supposé être là parce qu'il n'est pas le père de Jésus, n'ai-je pas raison? Même étant musulman, il est supposé être le père de Jésus-Christ. Luc le dit. Luc dit, Jésus était supposé avoir 30 ans lorsqu'il a commencé à prêcher. Jésus, fils de Joseph. Il est le fils de Joseph. C'est ce que Luc dit. Les mots sont là. Puis, entre parenthèses, étant supposé. Si vous posez la question à n'importe quel universitaire chrétien sur ce que signifient ces mots entre parenthèses, il vous dira que Luc, dans ses manuscrits, des Codex Sinaiticus, Codex Vaticanicus, Codex Alexandrianicus, ces mots ne s'y trouvent pas. Ces mots ont été ajoutés par les éditeurs. Donc Luc a dit que Jésus était le fils de Joseph, étant supposé. Est-ce que ce sont vos mots, des mots de l'homme? Qui se moque de Jésus? Les musulmans ou les chrétiens? Alors vous voyez, vous, en tant que musulman, c'était très injuste de votre part. L'injustice vient de vous. J'aurais préféré entendre ça d'un chrétien. Alors je vous aurais présenté toutes ces choses.